Salut internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est l'été, il fait beau, il y a des gens à la plage, tout ça, vous connaissez le thème. Du coup j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo avec un jet ski. J'ai donc contacté SoJet13 pour faire une vidéo et pour lui demander s'il était d'accord de faire une expérience sociale juste pour tester l'honnêteté des gens une fois de plus, mais cette fois-ci avec un jet ski. N'hésitez pas à rajouter SoJet13 dans vos amis sur Snapchat, à aller faire un tour là-bas si vous voulez faire du jet ski, les prix sont très attractifs, tout ça. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la fin pour une conclusion. Ciao. Voilà les gars, donc là je suis avec SoJet13, avec Sofiane qui est avec moi. Présentez un peu ton entreprise, elle se situe où exactement? Alors nous on est basé au port de la Pointe Rouge, donc entre les Goudes et l'Escalborelli, c'est pas bien compliqué, derrière la plage de la Pointe Rouge, donc une des plages les plus populaires de Marseille. C'est clair. Alors moi je connais pas trop un peu les jets, ouais. Est-ce que tu m'expliquais en gros qu'est-ce que c'est ce jet, comment il marche, combien de centimètres cubes, enfin la vitesse qu'il va, tout ça? T'as un bateau, d'accord, avec un format plutôt réduit et un moteur à l'intérieur. D'accord. Généralement les jets aujourd'hui, bon, c'est une puissance assez élevée, ça peut monter jusqu'à 310 chevaux. Nous en location on propose des modèles moins puissants, ouais. D'accord, pour les locations sans permis et avec permis. Les locations avec permis, c'est des jets que vous allez prendre avec votre permis bateau, faire un contrat de location, vous allez partir seul sur la rade de Marseille. On va vous faire un briefing, faire un contrat de location et ensuite partez seul naviguer. Avec sans permis, vous avez un moniteur qui est sur son jet ski, ouais. Vous êtes sur le vôtre, accompagné de la personne de votre choix si vous souhaitez. Et donc à ce moment-là, vous devez toujours naviguer à vue du moniteur. Ça peut prendre 80 voire 100 km/h. Celui-là, il va combien par exemple? Celui-là, ce modèle-là, il va combien? C'est un modèle qui peut prendre 85 km/h. C'est énorme sur l'eau. 85 km/h sur l'eau. Énorme. Exactement, et c'est pour ça que là-dessus je vais te rejoindre. C'est une machine très ludique, c'est super sympa le jet, mais ça c'est peut clair. Être super dangereux aussi. C'est clair. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'encadrer l'activité. Je suis d'accord avec toi. On va rester ici, comme je l'ai expliqué dans la vidéo tout à l'heure, on va rester là. Je vais mettre sur le jet, je vais attendre les gens un par un, voir les passants qui vont passer. Je vais leur demander, chacun à leur tour, de voir s'ils peuvent me garder le jet en attendant que j'aille acheter à boire ou une connerie comme ça. Puis on va voir s'ils sont pas tentés à le voler, s'ils sont pas tentés à aller faire un tour, à l'essayer, tout ça. Enfin, t'as compris. On reste sur le jet et puis je vous laisse regarder la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Merci. Avant de commencer l'expérience, je suis avec, je suis toujours avec Sofiane. Il va rester à proximité, je vous explique pourquoi. Parce que si quelqu'un s'amuse à voler le jet ou quoi que ce soit, il faut qu'on puisse aller le récupérer. Et comme moi, j'ai pas le permis bateau, c'est Sofiane qui va s'en occuper. Tu m'avais parlé d'un système de sécurité, il me semble. S'il y en a une personne qui a mené à prendre le jet ski, qui cherche à se sauver avec, ou alors qui respecte pas les consignes, on a un système de sécurité avec cette petite télécommande là. D'accord. Un interrupteur, et donc là on coupe le circuit du jet. D'accord. Portée de combien? Parce que si le mec part loin, c'est quoi? Il faut compter 400-500 mètres. 400-500 mètres, ouais, quand même. Ouais. C'est solide. Mètres. Tu me la laisses du coup, comme ça si jamais. Allez, vas-y, voilà, télécommande, c'est celle-là. C'est une petite télécommande un peu comme les scooters, ça ressemble à une télécommande un peu. C'est le même principe, je suppose. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir commencer l'expérience tranquillement et puis on va voir la réaction déjà un par un et puis on se retrouve à la fin pour une conclusion comme d'habitude. Allez, à tout à l'heure. Excusez-moi, vous pouvez venir? Ouais, venez s'il vous plaît. Bonjour. Je vous explique. C'est mon jet. Bonjour. Excusez-moi. C'est mon jet et je cherche quelqu'un pour me le garder parce que je dois aller vite faire une course. Tu dois l'arrêter, tu dois l'avoir. Vous pouvez me le garder, c'est mieux. Je vous laisse les clés dessus, ouais, et le contact. Ouais. Mais voilà, juste rester dessus au cas où parce que je sais qu'ici on est à Marseille, ça fait ouais, quand même. Hein, vous me, ça vous dérange pas? Ouais, j'en ai pour quoi 2-3 minutes, je fais un aller-retour. Ok. Ok, merci. Asseyez-vous, ouais, allez-y. Je suis parti du jet, j'attends. Voilà. On va laisser 10 minutes et on verra. Hey, excusez-moi, hein. J'ai mis un peu plus de temps que prévu. Du coup, ça va? Oui, ça va. C'est pas agréable quand même. Bah écoutez, je vous remercie de l'avoir regardé. Y'a pas de soucis. Je voulais vous dire quelque chose aussi. Oui. C'est qu'en fait, c'est une caméra cachée. Ah, y'a. Sérieux? Ouais, en fait, je teste les gens. Oui. Pour savoir si ils sont capables de nous garder. Ouais. Ils sont pas tentés à me le voler, tout ça. Voilà. Vous voyez qu'à Marseille, on peut quand même faire confiance, même à des jeunes. Bah, ils partent pas avec le jet alors que ça coûte. Un bras et demi. Y'a un mec. Je m'appelle, on se connaît pas, je peux vous demander un service? Oui. Ouais. Et en fait, c'est mon jet là. Ouais. Je l'ai garé, j'ai laissé les clés sur le contact. J'ai pas envie de le remettre sur la remorque tout, je vais pas rentrer, je vais m'en servir après. Juste, j'aurais besoin que quelqu'un me le garde. Est-ce que je peux vous faire confiance? Vous pouvez me le laisser? Ça là, le. Ouais. Ouais. Vous pouvez rester là, j'en ai ouais, pour ouais, deux minutes. Pas de vraiment, deux minutes, je vais acheter un truc à la boutique à côté, ouais, un truc à boire va. Et. Ouais, ça va. Ouais, ça vous dérange ouais. pas? Vous pouvez vous asseoir dessus si vous voulez. Ouais. J'en ai vraiment pour deux minutes chrono. Bien sûr. Non, c'est vrai, vous pouvez vous asseoir dessus. Ouais. Okay, bah, partez pas avec, juste vous asseyez dessus. Hein ouais, merci. Merci à vous. A tout à l'heure. Ok, donc là, je viens de partir du jet. On va faire la deuxième action. Voilà, bon, le mec, il commence à fouiller dans le coffre. Enfin, il regarde, apparemment, il fouille pas, je sais pas ce qu'il fait. On va le laisser poireauter et
On verra bien ce qui se passe. On va laisser 10 minutes comme le précédent. Voilà, 10 minutes et on va. Ah, je suis désolé. Ça va? Ouais, merci de m'avoir regardé. Hein. C'est une caméra cachée. Ah, vous êtes dans la lave. Bon. Voilà. Parce que comme j'ai laissé les clés sous contact, à tout moment tu pouvais partir si tu voulais. Et ah, mais ça va, Marseille, c'est tranquille, tu vois. Ouais, ça dépend, les gens ils disent que tu vois. Il n'y a pas de voleurs et tout, moi. Ouais, il y en a des voleurs, frère. Si tu regardes, non, regarde nos vidéos, si tu tapes sur YouTube, tu tapes Camoff. Ouais, il y a des voleurs, mais ici à la pointe rouge et tout. Voilà, bon après. Et si tu viens à Sojet, ben, tu dis que tu viens de la part de Camoff. Camoff. Réduction, ouais. Je pense que le patron il te. Allez, ça marche. Réduction. Merci. Gros, merci. Tu as regardé le coffre? Non. Si, je t'ai vu regarder le coffre. Si, je t'ai vu regarder le coffre. Ah, si, ah, merci. Merci, mon frère. À bientôt. Hein. Ciao, frangin. T'as pas Snap? Ouais, ouais. T'as Snap, t'as quelque chose? Ouais. C'est quoi ton Snap, dis-moi? C'est Losman 13. C'est Camoff. Camoff? Ouais, tu regardes, on a une page. Ah, mais je connais un peu. Ben voilà. Ah, mais c'est toi? Eh ouais, c'est moi. Bah, ça fait plaisir, frérot. Merci, gros. Ben, ce que tu fais, c'est que tu nous envoies un message sur la page. Ouais. Tu m'envoies ton. Allez, ça ton va. Snapcode. Ouais, ça va. Et je le mettrai dans la vidéo. Allez, ça va, merci. Parce que toi. Voilà, tu as été au top. Bon, merci, frangin. Ciao, poteau, à bientôt. Rajoutez-le, c'est un bon mec, hein, franchement. Excuse-moi, monsieur. Monsieur, c'est là. Ça va, merci. On se connaît pas, mais en fait, je vais vous donner un petit service. Je vais juste acheter une course là-bas un peu plus loin. Ouais. Et j'aurais besoin que vous me gardiez, c'est possible. Pas trop loin, mais pas trop longtemps, s'il te plaît, parce qu'il y a ma copine qui m'attend. Non, j'en ai pour 2 minutes. Vraiment, je fais un aller-retour juste pour pas laisser sans surveillance. Pour vous faire confiance. Ça fait déjà 2-3 minutes qu'on. Voilà, il regarde à droite, à gauche. Tout s'il regarde. Voilà, encore le coffre. Et c'est humain apparemment de regarder le coffre. C'est humain. Tant qu'il ne vole rien, on s'en fout. Après, c'est vrai qu'un jet ski, c'est pas mal à regarder. Donc, on va le laisser un peu poroter et puis je vais y aller direct. Putain, désolé. Désolé. Ouais, excusez-moi. Tu me dis 2 minutes, j'ai mis un quart d'heure. Je vais prendre plein de temps. Ouais. Je te dis la vérité, parce que je devais aller acheter un truc là-bas. Ouais. Le magasin était fermé. Après, j'espère que ça t'a pas trop. Ah, ça va pas déranger, mais bon, je suis avec mes beaux-parents, j'avais la copine, t'as compris. Ça, ouais, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Parce qu'en fait, c'est une caméra cachée, regarde, il y a une caméra là-bas. Ouais, pour une caméra cachée, je me fais, tu me prends plein de temps ou quoi là. Tu m'as fait perdre du temps pour une caméra cachée, je vais bien rendre ça en dessous là, mais ça y est là. Ils ont fait, on fout ton visage ou on le fout? Ouais, foute-le, s'il te plaît, foute-le, stop. Ok. Monsieur, excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. En fait, c'est mon jet là. Et je dois vite faire une petite course là-bas dans le magasin qu'il y a là-bas. Jamais. Pour 2 minutes, je fais juste l'aller-retour. J'ai besoin de quelqu'un pour me garder. Ça vous dérange de me garder? Non, 2 minutes. Allez, 5 minutes. On a laissé le jet au mec. Il a l'air assez. C'est un mec, un adulte d'un certain âge quand même. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. On va attendre une dizaine de minutes comme les autres. On va pas trop faire poireauter non plus parce que voilà. Ah bah lui aussi, il regarde dans le coffre apparemment. Apparemment. C'est un réflexe humain, je pense. Les gars, Valentin, il est mort, s'il te plaît. Le mec, il est dans. Les gars. Frérot, tu continues à filmer? Ok. Il est en train de prendre le jet. Il est en train de se tailler avec le jet. C'est ce que tu fais? Non, mais sérieux. Il se taille avec le jet, ce fils. Ah, il coupe le truc et tout. Oh putain. Oh là là. Appelle Sofiane, vite. Appelle Sofiane, s'il te plaît. Vas-y, j'ai la télécommande de toute façon. On va l'arrêter maintenant. Il est arrêté. Tu le vois de là? Tu arrives à le voir de là? Avec le zoom, essaye de zoomer. Tu arrives à le voir? Tu arrives pas à le voir? Tu le vois pas? Bah vas-y, on va attendre Sofiane et on va aller le récupérer avec un autre jet. On va aller récupérer le jet. Et alors? T'essaies de faire quoi? Hein? 30 minutes. Je suis parti 10 minutes. Comment tu as fait un tour, on dirait c'est chaud, que j'en sais que tu voulais pas le voler moi le jet. Moi je te laisse le jet, je te fais confiance, tu pars avec. Mais qu'est-ce 30 minutes, je suis parti 10 minutes, arrête de dire n'importe quoi, dans tous les cas je t'ai pas autorisé à le prendre. Il y a un système de sécurité dessous, c'est nous qu'on a été à distance. Là je vais te laisser, tu vas rentrer à la nage, hein. Ouais c'est ça. Il est rigolo. Il est pas au courant, il va rentrer, tu vas rentrer à la nage. Soit tu rentres à la nage, soit on te remorque. Tu veux que je te remorque? Ouais. Je vais te remorquer, mais sans le jet. Eh oui, gros, parce qu'il y a que moi qui veux le conduire. C'est ça. On va pas chipoter 100 ans. Si tu veux qu'on te ramène, ce qu'on va faire, c'est que tu vas descendre du jet. Je vais monter dessus, on va te tracter, j'ai une corde et je vais te traîner tout le long. Eh ben vas-y, jette-toi à l'eau. Allez. Elle est bonne, l'eau? Là, on est en train d'attacher la corde, là. Pour tracter, monsieur. Tu viens rentrer à la maison? Ouais.
lâcher. Alors, ça t'a plu, le petit retour à la nage? Hein? Ça m'a dit 2 minutes, je suis revenu au bout de 30 minutes. Je me suis dit, j'ai fait un petit tour, il faisait chaud. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te laisse ma voiture, tu fais pareil. Je te laisse mon enfant, tu fais pareil, tu pars faire un tour avec. On a perdu une heure à faire toute cette connerie. Une heure, on a perdu. Je suis pas pressé pour faire un tour de jet. Là, tu es pas pressé. Ben voilà, vous voyez, à Marseille, des fois, c'est une raison. On peut mettre 100 ans. Si tu mets 100 ans, tu demandes à quelqu'un de te faire, confiance. Si tu mets 100 ans, le mec s'en va avec toi. Avec ta... Oh, vas-y, j'ai pas le temps. Ouais, t'as pas le temps, bébé. Arrache-toi. C'est la chance qu'on a. En été, hein. Ah, on fout pas ton visage, hein. Et voilà les gars, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, on a décidé de tracter le jeune avec une corde. Tout simplement pourquoi? Parce que c'était vraiment trop dangereux de le laisser rentrer à la nage, sachant qu'il était déjà bien bien loin. Il a bu quelques tasses, hein, voilà, c'est ça qui était bien. Et après bon, au milieu on l'a laissé rentrer à la nage pour qu'il comprenne vraiment bien la leçon. Je remercie SoJet13 d'avoir participé à cette vidéo, de nous avoir prêté les jet skis, d'avoir été avec nous du début à la fin du tournage, sachant que ça a pris pas mal de temps. Je remercie aussi SoJet13 pour son efficacité. Je remercie SoJet13 pour tout ce qu'il a apporté dans cette vidéo. Je mets même le snap code, de toute façon vous l'avez vu tout le long de la vidéo. N'hésitez pas à le rajouter, ça me ferait extrêmement plaisir et ça lui fera plaisir à lui aussi. Si vous voulez y aller, je vous mets l'adresse ici, hein, voilà, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, n'hésitez pas à vous y rendre, c'est des professionnels, voilà. Pour nous suivre à nous sur les réseaux, on a un Snapchat, ça s'appelle Camoff, C-A-M-O-F-F, vous pouvez nous rajouter, on est bientôt plus de 6000 sur le Snap et ça me fait très plaisir. Sur la chaîne YouTube aussi, n'hésitez pas à vous y abonner, on est à l'heure actuelle 140 000, ça fait qu'augmenter, enfin... Vraiment, j'ai pas de mots pour ça, à part merci. Vraiment, vraiment, merci du fond du cœur. Pour tout ce qui concerne les vêtements Camoff, rendez-vous sur le site www.futuratech.com. On a sorti des shorts la semaine dernière, ils sont très beaux, vous verrez. Pour les petits, pour les grands, il y en a un peu pour tout le monde. Il y a des t-shirts aussi, j'ai pas besoin de vous expliquer tout ce qu'il y a sur le site. Allez-y et vous verrez par vous-même ce qu'il y a. Je vais donner le nom du gagnant qui a gagné le drone éclaté. C'est Best You, c'est la chaîne Best You. Je la mets ici aussi en bas. Best You, entre parenthèses, tu vas rire. Nous allons rentrer en contact avec toi pour t'envoyer le fameux drone cassé, bien entendu. Je t'inviterai à faire une photo avec, comme ça tu nous l'enverras pour prouver qu'on t'a bien envoyé le drone et pour prouver que tu l'as bien reçu aussi, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous en avez envie, à mettre un j'aime pas si ça ne vous a pas plu, je ne force la main à personne. En attendant, rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Faites attention en mer et faites attention à qui vous prêtez vos objets personnels. C'était Camoff, je vous dis à bientôt, ciao.